C'est Mario La Chapelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une vidéo d'Azulex. Elle va durer 5 minutes. C'est elle. Et puis à 4 euros, mais c'est plus à 5 euros. C'est parti, on va regarder. Oh, t'es lui. Oups, excusez-moi. Tout le monde, je suis l'équipe Pierre, bienvenue pour une nouvelle vidéo boutique. Clique la bille en description. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale puisque. Puisque j'ai avec moi un putain de plan de travail, ouais. Ça, c'est du travail de pro. Pas du tout. Voici Katakuri, lame forgée à 1000$. Cette lame a été forgée. Dans un temple japonais. J'ai pas en fait, mais en tout cas il vaut 1000 balles. Et putain qu'il est bien. Est-ce que cette lame saura être plus puissante que le karambit à 5$? Cette épée, c'est un karambit, c'est pas une épée, hein. Karambit versus katana, je te dis que c'est une épée et que je connais pas karambit, katana et lama. Non mais en fait c'est un alpaga. C'est un alpaga, c'est pas un lama. Plutôt qu'à jouer à 1$ d'une épée, j'ai préféré vraiment trouver une lame, une vraie lame. Alors certes, c'est considéré comme un couteau, peut-être comme certains d'entre vous, mais cette lame, c'est une lame. Et aujourd'hui, on va comparer deux lames. Une lame à 1000$ et une lame à 1$. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est de voir si vraiment la lame à 1000$ vaut vraiment ce qu'elle vaut. Si vraiment le fait qu'elle est forgée vaut vraiment 1000$. Le voisin. Premier test, le karambit versus le papier. Très simple, vous me direz. Cependant, peut-être pas. Parce que peut-être que ce karambit... Qu'est-ce que je fais de ma vie? Karambit versus papier, premier test. Oh, c'est pas mal en vrai. Et si j'aurais continué, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que ça commence à bloquer? Regarde, si je fais comme ça. Vous voyez, ça plie plus que ça tranche. Et une arme ultra limée à 20 sur 20, par exemple, ça trancherait directement. Et c'est là que Katakuri va faire son apparition, soldat. La lame forgée japonaise. L'arme de l'empereur du monde. La lame est vraiment intéressante, mais je l'ai déjà beaucoup usée, il faudrait que je l'allume. C'est évident que cette lame est meilleure que le karambit, c'est évident. Mais là où c'est moins évident, c'est sa durée de vie. C'est parti, soldat! Shit! Malgré qu'il a pris plein de dégâts, regardez les dégâts qu'il a fait. Regardez comment c'est droit, regardez comment il a fondu ultra rapidement. En fait, mon karambit est vraiment, vraiment en fait en vie. Il est en vie! Deuxième étape, soldat, la bouteille d'eau versus le karambit. Elle va être tout simplement moins résistante parce qu'elle est vide en fait. Et pour le karambit, on sait pas s'il est capable de faire une bouteille pleine. Du coup, commençons tout simplement par une bouteille vide. C'est parti. Oh, c'est parti, soldat, karambit versus bouteille d'eau vide. What? Ça n'a fait aucun dégât, c'est triste. Je vais essayer de vraiment taper par la pointe parce que c'est la pointe qui fait le dégât. Oh, là ça a tapé. Oh, ça fait une griffure. Ça a fait une toute petite griffure ici, mais ça a pas suffi. Putain, karambit, tu me déçois. Le karambit a su seulement la transpercer. Regardez, il galère même là. Il a su seulement la transpercer. Et maintenant, on va voir ce qu'il est capable de faire. Katakuri. Bouteille vide versus Katakuri. Ça l'a transpercé, mais ça l'a pas quand même coupé en deux. Du coup, c'est pas si puissant que ça. Prochaine étape, la bouteille pleine. Karambit, montre-moi de quoi tu es capable. Ok. 3, 2, 1, ultra. Holy shit! Oh, y'a trop. Elle pisse! Oh shit, on a peur! Deuxième bouteille maintenant et autour de mon sabre. On va voir si lui est capable de la trancher entièrement. C'est parti, Katakuri, mon katana légendaire, contre cette petite bouteille d'ici. Oh. Ultra! What? Ultra! Oh mon dieu! Prochaine étape, soldat, le capuchon de plutonium. C'est parti.
Le carambit est inefficace contre le flacon de plutonium. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Katakuri a réussi! Katakuri a pété le putain de flacon de plutonium. Je pensais vraiment pas qu'il allait arriver parce que c'est vraiment du plastique épais. Et il a réussi à le trancher! J'ai même pas donné un coup fort, j'ai même pas pris de l'élan! Katakuri, on va devoir sortir pour exprimer ta puissance. Exprimer la puissance d'un sabre à 1000 dollars. C'est parti, soldat, l'étape finale. Toutes les bouteilles versus Katakuri. Bonne chance, soldat, on n'a qu'une vie. Hasta luego. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Ma caméra! Holy... On se casse, les gars, on se casse! Putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? J'ai tout tranché, je crois! Félicitations, Katakuri. Shinzoko. Sasuke! Naruto! Arigato gozaimasu!